On va d'abord prier un peu. Parce que dans cette vie-ci, connaissez-vous, je ne vais pas être violent dans cette vidéo. Connaissez-vous, on attend 10 minutes là et on commence à discuter le pays. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre ce direct. Je vais prendre mon chapeau. Ça fait comme ça, parce que vous savez que mes têtes ne veulent plus qu'on met. Connexion, mettez les cœurs et tout. Hein. C'est Chanel, hein, maison. Hein. Un bon petit coup, n'est-ce pas? Ce direct, c'est un direct qui est très dangereux. Alors je demande aux gens qui veulent la vérité, à tout le monde, de mettre le cœur et tout. Aujourd'hui, il n'y a pas question qu'un étoile. Oui. Donc, je ne me suis pas maquillée parce que vous savez que j'ai encore des problèmes avec mes histoires-ci. Dès que même quand je rase même pour les cheveux là, ça commence à problème. Merci. Voilà, c'est ma petite robe. Chic, élégante, Chanel. On ne va pas être violent. Pas du tout violent. Je sais que je suis consciente qu'il y a beaucoup de gens qui entendent ce direct. Ça, c'est ma cuisine. Bonsoir, bonsoir. Ça, c'est ma cuisine. Notre cuisine qui va être refaite bientôt. Donc, voilà. Oui. Merci pour votre soutien. Je ne me suis plus du jeu du tout. Bah, c'est bien. Je ne vois pas beaucoup de gens qui veulent me citer, c'est pas grave. J'ai compris que je suis une star. Une immense star. Warriors. La dure Warriors de tous les temps. J'ai eu un problème, c'est que le ça là. Donc, comme dans les histoires, c'est que ça enregistre ici. Moi aussi, je suis en train de dormir. J'entends seulement pang pang de comment mon guide parle, tout le monde parle. Et ça enregistre tout là que je suis allé dans le Dieu que je me lâche moi un peu mon son. Ça enregistre tout. Comment tu connais? Je suis une joyeuse, je reste joyeuse toute la nuit. Oui. Donc, connaissez-vous. Oui, il y a beaucoup de gens, ils vont être bannis. Parce que j'ai un problème. Ils vont être bannis. On va d'abord mettre un peu une petite chanson quand même. Hein. Attendant qu'il y ait un peu quelques personnes. Oui, parce que il faut partager. Parce que c'est le seul direct que j'ai fait aujourd'hui par rapport à cette personne. On dit que les morts n'ont pas d'empreinte. Les morts n'ont pas d'empreinte. Les morts ne parlent pas. Quand tu vois un mort qui parle, ça veut dire que tu ne veux pas aller là où tu étais. Attention, écoute-moi très bien. Je sais qu'il y a ma famille qui est là. Il y a beaucoup de gens qui, même, qui sont là. Ça, c'est une thérapie. Ils disent que l'amour est aveugle. Moi je dis, ils voient très bien. Ils pensent que l'amour ne pardonne tout. Mais attention, il y a des limites. L'amour voit clairement. Il est juste tolérant. Il est juste patient. Et quand il s'en va, tout est fini. Quand il s'en va,
électrifié. À un moment, tu voulais dangereux. Et parfois, si toi tu m'écris, te voilà, tu voulais ton mal. Alors qu'en vérité, tu es mon mal. Yvette, la maman des amours, la classe. Bon, je ne vais pas vous faire, il y a déjà beaucoup de personnes. Déjà, je remercie tout le monde. Il y a beaucoup, ça parle un peu trop. Vous savez, je me suis rendu compte que je compte sur beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Oui, il y a beaucoup de gens, je vous remercie. Je vois les commentaires, je vois les non-commentaires. Vous savez qu'il faut bien les opposants dans cette situation. Donc, vraiment, merci pour tout. Ce direct, ce n'est pas un direct de glitch. Peut-être après, quand je vais donner la parole aux gens, peut-être après, je tiens à vous expliquer une histoire. Dans la vie, on dit souvent que tu nourris un chien, un jour va te mordre. Vous savez, cette femme, c'est une femme qui est sans pitié. Oui. Parce que là où elle est là, elle a un cancer incurable. Oui. Parce que elle, quand on dit qu'on fait ces choses, c'est ma maison. Je lui ai fait confiance.
Elle filme tout, la cuisine. Elle va dans ma chambre. Elle filme. J'étais là, je n'étais pas là. Il faut aussi qu'elle filme la chambre où elle habitait. Non. On dit que hein, quand il faut faire saga, ça compte tout ça. Cette chose-là, je ne prononce pas son nom parce qu'il ne vaut rien. Oui. Je me calme un peu. Elle n'a plus rien à perdre. Parce que on lui a trouvé un cancer de comment on appelle ça? Ou c'est quoi? Oui? Elle va sommeiller. Attends, je finis d'abord parce que je ne cherche pas. Elle est très malade. Elle n'a plus rien à perdre. Il y a beaucoup de gens qui vont le dire. Elle me l'a dit. Elle n'a plus rien à perdre. Donc, avant de partir dans les ténèbres où elle est, il faut absolument que elle s'habille une personne. Moi, je m'en fous, Eva. Je te donne mes clés. Je te fais confiance. Tu as fait la bouche chez moi. Tu as tout fait ici. Tu filmes là où tu connais, là où tu habites, là où tu dors. Tu filmes la chambre. Je dors dans ma chambre. Si mes habits les jettent partout, je n'ai rien à foutre de ma chambre. Tu montres ce que je dors au salon. Tu penses que ça fait quoi? L'encadre, là, je crois que tout le monde connaît ma chambre. Quand je dis souvent que quand la police sonnait ici, on tombait dans mes habits là-bas. Non, vraiment. Tu es bête ou quoi? Ma chambre sonne, mes habits, mes trucs. Donc, quand je fais souvent mes vidéos partagées, je ne suis pas bête. Papy Longchamp est venu ici. Tout le monde sait. Je ne dors pas là-bas. Quand vous voyez souvent, moi-même dans ma propre chambre là, quand je fais comme ça, je n'ai rien à foutre. Avant, j'avais une très belle chambre. C'est quand mes enfants sont venus, wow, on a cassé ma chambre. Mais oui. Qui ignore Eva que ma chambre est comme ça? Tu vas montrer quoi? Qui ignore que ma cuisine est comme ça? Oui. Tu vas prendre les achicots dans la poubelle. Tu viens mettre. Mais attends. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu as cru que tu peux me descendre? Non. Je montre ma vie. J'ai une clé de chez moi, Eva Somo. Je ne suis pas comme toi. Tu entends? Tu peux ouvrir ta gueule, parler, crier. Tu es chez toi. Est-ce que tu as une clé? Tu es chez toi. Hein? T'es qui toi? T'es rien, tu es personne. Tu seras toujours une petite chose qui suit chez moi. Que tu passes, je vais partir, c'est mais que je veux passer. J'ai la télévision hein, de l'homme pour dire. Va me la bête t'aider. Va avec. Une fois, là-bas au moins tout le monde sera au courant. La télévision du quartier là, tu es petit arriviste. Comment tu veux mourir bientôt? Tu veux m'amener avec toi? Je ne serai jamais humilié parce que tu fais des erreurs. Tout le monde connaît la voix joyeuse. Ah bah oui. Quand je dis que ma chambre est comme ça, tu pars, tu filmes, tu. J'en ai rien à foutre, je dors là-bas. Hein? Je dors là-bas, je dors là-bas. Même moi-même, je pousse mes habits comme ça, je dors. Parce que, je ne fais pas d'amour dans ma chambre. Moi, je vais dans les hôtels. Et quand ça arrive que je m'en vais dans cette chambre, parce que je vais te montrer une chose. Tu vois que tu es quoi? Regarde, Eva. Là où. Ça, c'est là où tu vivais avant. Hmm? Ce sont mes vêtements. Ça, c'est mon petit lit. Ça, c'est quand je fais mes trucs au matelas. Hein? Le matelas, si, Teddy Bear, que j'avais ramassé là-bas en route. Vous vous souvenez? Parce que, il faut bien parler les vraies choses. Tu penses que tu vas faire quoi? À qui? À vos joyeuses? À moi? Je ne peux pas. Je finis d'abord avec toi. Et après, je vais la parole. Parce que, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui que, laissez-moi d'abord me reposer. Tu es petite, ma chérie. Tu es petite. Qui ignore ma maison? Tout le monde sait que la veuve joyeuse dort ici au salon ou là-bas ou partout. Oui. Quand la police arrivait ici, on tombait pour nous tous. Tu peux demander en cas de la chicotte. Nous tous sommes dormis dans. On tombe sur les vêtements. Avant, mes vêtements, tout le monde sait. Tu as oublié ça.
Quand je m'en fous. Je dors où c'est ma chambre. Je peux faire des ordres si je veux. Et alors, c'est ma maison. Que ça soit en désordre ou pas. Tu sais, j'ai aidé les gens. Tu ne sais pas le nombre de gens qui sont venus ici. Que moi, j'ai aidé. Ils sont partis. Quand souvent, on me dit merci, ma veuve. Toi, pas de merci. La concurrence avec qui? Une femme qui est assise comme moi. Ben, elle passe des films. Quand tu as fait ce que tu as fait ça partout, tu n'es rien, tu ne seras jamais rien. C'est moi qu'on voit. Tu m'entends? Tu sais, Eva, je suis venue en Europe, à Air France. Pourquoi tu viens? Tu es venue ici avec le visa d'une autre personne. On est d'accord là? Peut-être que je parcours ces étapes. Tu ne me peux pas. Je n'ai rien à foutre. Tu peux filmer les débats, tu peux filmer tout. Moi au moins. J'ai ou j'ouvre ma porte. D'accord. Mais dis-moi, qui tu es? Tu veux te faire voir sur les réseaux sociaux? Moi, je t'ai insulté. Ta sage. Putain, dans les gueules que tu as là. Quand la femme s'est insultée, hein? Hey! Maman. Même chez toi, elle te fait la loi. Au début, quand elle est chez toi, elle est très calme. Après, elle veut venir s'imposer chez toi. Tu veux que je te mette les vidéos? Là où parfois j'étais chez moi ici, hein, direct, tu menaçais ici. Quand je veux parler quelque chose, tu venais me menacer ici, dans ma propre maison. Ici. Tu as oublié? Tu veux devenir caïd chez moi. Dans ma propre maison. T'es qui? T'es riche. Alors, bah, filme ce que tu veux. Mais en fait, quand tu filmais ma célèbre chambre, mais c'est bien beau de filmer, mais tu pouvais arranger. J'allais au Cameroun. Quand la cuisine, là où tu manges, tu pouvais arranger. Mais alors? Alors quoi? Je t'ai aidé. Tu fais des scars? Mais vas-y. Vas-y, continue. Continue à publier ce que tu veux. Publie-moi là où je suis. Publie-moi là où je suis. Mais c'est ma maison. Et là, c'est ma chambre. Je ne dors pas là-bas. Tu entends? J'étais hébergé. J'étais aimé. Oui. T'as quoi, toi? Tu sais, parfois, il y a des gens, comme c'est un gens, comme là, un cancer incurable, elle veut die. Donc, elle veut absolument. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. L'argent, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as, toi? Tu vis où? Combien de fois les noix tu as passé ici? Quand moi, je n'ai pas passé non la cacasse avec mes enfants. Toi, tu es ici. Avec tes enfants. Tu regardes ma télé. Tu es connecté. Tu es bien. Je t'ai aidé. Et moi, je t'ai aimé. Tu ne lis pas les commentaires. Je ne regarde pas ces couleurs que tu as. Tu ne peux pas. Que tu meurs bientôt ou pas, ça te regrette, Eva. Je n'ai rien à foutre. C'est ma maison. Je t'ai aidé. C'est toi qui cherches là où tu vas l'habiter après, parce qu'après, tu vas aller où? Tu penses que les banques, ce que tu as filmé là, ça va changer quoi dans ma vie? Mais du coup, ça va changer quoi? Je t'ai fait confiance. Je t'ai ouvert ma porte. Qu'est-ce que tu fais? Là où tu vis, tu parles fort. Tu filmes là où, avec ta mamie, hein? La mamie, attends. Tu filmes là-bas, tu filmes là-bas. C'est ton problème. Moi, je n'ai pas honte. La honte, c'est pour toi. La honte, c'est pour toi. Je t'ai aidé. Je t'ai pris à la ramasse. Tu as qui? Eh bien, tu penses que vraiment que toi, si. Tu me fais quoi? Eh, après, babadé. Tu as quoi? Après, quand on va te jeter là-bas, tu as des mots. Quand Wallis va te jeter, tu vas aller où? Tu penses que ce sont les petits gens là qui sont derrière toi qui ont fait quoi? Ouais. Ma chérie, c'est chez moi. Et puis j'ai refusé. C'est ma maison. J'étais là. C'est sa maison. Elle habitait ici. Moi, je voyageais, je partais au Cameroun. Je pars au Cameroun, je pars
avec la personne et tout ça. Elle était là. Donc, quand ça attend, je vais laisser le truc. Tout le monde va parler. Je dois donc m'exprimer. Mais c'est ma maison. Hein? Je voyage beaucoup. Je pars au Cameroun, je pars, tu es là. Tu peux faire ce que tu veux de la maison. Mais oui. Alors, qu'est-ce que tu crois? Parce que tu vas filmer les asticots. Les asticots, toi-même, tu fabriques, tu viens mettre. Tu n'es pas honte. Oui. Ça montre que l'être humain est méchant. Tu ouvres ta porte. C'est moi qui perds à manger. C'est moi qui perds tout. C'est moi qui te débat, même quand tu sors. Tu fais un chin-chin ici. Dès que tu as des savoirs, tu pars. Tu vas fumer ta drogue là-bas. Quand tu arrives, tu es tellement fatigué. La famille, peut-être, c'est moi qui t'ai nourri jusqu'aujourd'hui. Et tu crois que toi, tu peux faire quoi? Si tu es une femme, n'est-ce pas, tu as Facebook, mais ouvre ton Facebook. Tu peux faire le direct. Et c'est une page. Dans, il y a Facebook. Avant d'avoir une page, il faut d'abord aller à Facebook. D'accord. Tu n'oses pas. Tu veux se marier là-bas. Tu me fais quoi? Mets ce que tu veux. Mets les voix. Tu as filmé ma célèbre chambre là-bas. Tu as filmé ma célèbre cuisine. Et alors? Oui. Mais je m'en fous. Ça montre comment tu es. Tu es une femme méchante, jalouse et envieuse. Tu n'as jamais reçu dans ta vie. Sache que c'est moi qui t'ai amené à Paris. C'est moi qui t'ai. Tout le monde que tu connais, c'est moi. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Rien du tout. Et là, aujourd'hui, ton mari, la courbe, voit. Il a pris ta copine baiser jusqu'à là. Ils vont se marier bientôt. Toi, tu es là dehors. Tu es. Tu viens chez la voix joyeuse. Tu fais espérer laisser une petite perruque. La voix joyeuse, je viens prendre ma perruque. T'as que tu arrives, hein? Boum. Tu fais deux jours, trois jours, quatre jours, trois semaines. Et tu manges comme un bœuf. Tu passes, tu manges. Les yaourts, tu manges. Tu veux manger, maman? T'as tout ce que t'as rien. T'as même pas de ce que t'as rien. Donc, tu sais, tu me l'as dit. Que tu vas d'aller bientôt parce que tu as un problème de rien. Et tu as un cancer là-bas, là, on a enlevé aussi les fibons, quoi. Ton intérêt, tu as tout ça. Tu es méchante. Parce que moi, je ne suis pas comme toi. Tu sais pourquoi moi, je suis dans ma vie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Parce que j'ai un bon cœur. Ici, en France. Quand les beaux-aïels arrivent, on m'appelle même que ma vie. Parfois, c'est arrivé. C'est après qu'ils me rencontrent que dans le moment, tu es enceinte. Je veux faire tout pour trouver soit un petit blanc, soit un arabe là pour que l'enfant, quand l'enfant naît. Et quand tu vas accoucher, tu me dis que ma femme va accoucher à l'hôpital. Et tu cales là-bas. Et après, tu donnes les 115. Tu as fait 100 jours, le nombre de personnes que j'ai aidées dans ma vie. Hein? Moi, j'ai aidé. Tu as aidé qui? Mais attends. Je suis fier de moi. Moi, tu vois, je ne suis pas malade. C'est tout. Tu es malade. Tu habites où? Ta vie, c'est quoi? Ton vie, c'est quoi? Oui, je peux te porter plainte pour ce que tu as fait. Mais la plainte, là, va aller où? Tu n'as pas une adresse. Tu n'es pas répertorié parce que toi tu marches avec la carte vitale. La carte vitale, tu n'es rien devant moi, tu entends? Tu es une poubelle. Tu as raté tout. Bon. Les gens vont commencer à appeler. Ils ne vont pas continuer. Les gens qui vont appeler, appeler. Papy, non, chat, tu peux appeler soit ici, soit. Je vois que la robe, c'est que je suis un peu étouffée. Non, moi, non, écoutez, elle ne croit pas. Moi, j'aime le challenge. Je m'en fous. C'est ma maison. C'est ma cuisine, non. Mais les asticots, là, c'est pas pour moi. Je te prends où? Mais appelle ici, non. Attends. Mais attends. Je vais avoir honte de ma maison. Hey! Je dors ici, je vis ici. Je m'en fous, je dors dans la. Moi, voilà, ça, c'est mon lit. Là-bas, c'est mon lit. Tout le monde sait. Mais appelle-moi. Je te vois pas. Appelle. Mais attends, filme tout. Filme même qui s'en fout. C'est ma maison.
de l'église, ma maison. Quand je pars au Cameroun, tu es là. Quand je voyage, tu es là, chez moi. Si vous venez pour rester ici, au moins, attends, attends, papi, attends, je t'appelle. Plutôt. Maman, rends-moi ça ici. Tu vois que tu allais faire quoi? Pourquoi tu as fumé? Tu es petite. Je suis une oise. Oh, hello. Oui, papi. Oh, hey, bonsoir, la meuf. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais mettre un peu de. Oui. Ça, c'est Papi Longchamp. Papi Longchamp! Ayop, 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 ayop. Ayop, ayop, ayop. Papi, essaye un peu de. Attends, papi, essaye un peu d'appeler ici parce que là. Attends. Ah, ça c'est Dorcas. Dorcas, attends, il va te prendre ton lait. Je peux appeler, je peux prendre Dorcas aussi. Vous pouvez m'ajouter dans la vidéo, ça. Mais non, appelle dans mon. Appelle dans le. Là, maintenant, je peux. Impossible d'accéder à l'invité. Regarde, hein. Il faut sortir, sortez de mon direct. Vous sortez de mon direct. Ok. Et vous revenez, vous appelez, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Oui. Vas-y, voilà. Donc, ma soeur Eva, tu penses que. Je dors là-bas. Je m'en fous. Alors, tu crois que tu vas filmer ma chambre pour montrer que voilà, chambre de ceux qui suivent les mamans. Je m'en fous. J'ai un copain. J'avais pas d'idée. Là, je suis arrivé. Je vis comme je vis. À ma façon. Quoi? Papi, ouais, appelle. Sors de mon direct. Tu appelles. Tu appelles ici. Donc, quand tu appelles. Ou alors reste ici. Vas-y, d'abord, tu fais. Attends. Tu vois que je vais filmer même tout. C'est mon problème. Voilà. Tu écris, j'ai écrit. Va soigner ton cancer. Va chez nos pipi. Je vois ma blonde, elle va son mari, elle va aller chez. On appelle comment la reine des ténèbres. Elle a validé pour dire quoi? Pour parler quoi? La reine des ténèbres a dormi ici. 4 jours. Attends, elle n'a pas fini. Attends, je vais essayer de prendre un peu d'Ocas. Puis, d'Ocas va peut-être prendre. Ouais, ajoute un coup, ajoute un coup. Papi, sors du direct, tu rappelles, ça va passer. Voilà, d'Ocas qui appelle. C'est qui? La veuve. Ma soeur, c'est comment, maman Dian? Ouais. Je suis là pour te soutenir. Je te soutiens. Mais, tu as compris. Si. On peut faire le game de Facebook. Mais venir détruire le mariage de quelqu'un. J'ai dit non. Je dénonce ça. Tu comprends. La fille là, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Écoutez, est-ce que je dis avec ça? La sorcellerie n'est pas seulement quand tu manges quelqu'un. Ce que cette fille a fait, c'est la sorcellerie. Tu as mais compris. Je m'en fous. Je suis avec toi aujourd'hui, demain et après-demain, je te soutiens. Mais la photo de la fille, on va la framponner. Moi-même, je vais framponner cette fille. Je ne la connais pas. Tu t'appelles ma soeur, mais c'est tout. Attends, je te coupe parce que je vais prendre quelqu'un d'autre. Attends, je te rappelle. Sors du direct, s'il te plaît. Tu vois, papy, le chat, c'est. D'accord, soutien total, ma chérie. Merci beaucoup pour ton soutien, merci. Attends. D'accord. À tout. Donc, sort du direct, ouais, je ne sais pas que là, il va falloir que. Papa m'a dit, je m'en fous. Filme même là où il y a la drogue, filme ce que tu veux chez moi. J'ai pitié de toi. Je veux faire même un an dehors. J'ai mon loyer payé, j'ai un compte bancaire, tout est payé, je m'en fous. Je m'en fous à toi. On te dit que, on te tend la main, que viens. On a pitié de toi. Tu veux venir montrer que tu es King Kong. Tu as quoi? C'est la propriété quand tu viens visiter sale. C'est toi qui as rendu ça comme ça sale. Parce que tu es une sale femme. Les achicots. Moi, j'avais les achicots. Eva. Tu sais, tu es tellement minable et tellement idiote que. Vraiment. Mais je comprends pourquoi. Attends. Regarde-moi. Mon mari et moi. Le vraiment au cimetière. Toi, tu. Va avec un homme à couvre-voix, deux enfants.
Il te demande un mariage, soit disant, je n'accepte pas. Tu as quoi? Aujourd'hui, il est toujours dans la même maison avec notre copine à toi. Lui et toi, tu es où? Aujourd'hui, tu poses ton sac ici aujourd'hui, tu poses là-bas. Tu ne sais même pas où habiter. Là, maintenant, tu vas squatter chez Waris. Il n'y a rien qui te reste. Que tout le monde, tous les gens autour de toi ont t'a rejeté. Il y a même encore, est-ce que tu avais un peu d'espoir? Tu penses vraiment que. Oui, papy, vas-y, là, je te laisse parler. Hein. Je te laisse parler parce que ça ne passe pas dans mon truc. Attends, un peu, c'est un peu ici. Attends. Lydia, mille. Lydia, je te prends tout à l'heure. Vas-y, parle, papy. Ok. Bonsoir, Warriors. Bonsoir à la team Warriors et tout. En fait, je voulais intervenir parce que l'histoire de. Comment tu l'appelles, à ce moment-là et tout, j'ai vécu ça un peu. Donc, franchement, moi, je disais, ton karma là, prends ça comme ça parce que c'est ta gentillesse qui va te faire ouvrir les yeux parce que tu as toujours été vrai, loyal avec les gens, mais c'est l'être humain, il est comme ça. Parce que quand je pense, le jour où tu es entré chez toi, j'ai vu cette femme et sachant que j'avais déjà entendu parler d'elle en méchant, et tu as remarqué, à chaque fois quand je venais avec les gens chez toi là-bas, ça parlait, mais tu ne voyais pas. Moi, je l'évitais toujours, parce que à chaque fois quand je venais avec les gens là-bas, on me disait toujours, cette femme, elle est méchante. Et moi, je vais te dire, tu sais, c'est ton cœur, tu ne peux pas changer ta manière de faire. Et je vais encore dire aux gens, il ne faut pas que les gens disent que tu m'as appelé ou tu... Non, moi, aujourd'hui, j'ai intervenu parce que je vois depuis 2 jours les lives, et c'est aussi de mon devoir, parce qu'on est dans la vie, même si tu en parles avec quelqu'un et que tu vois qu'on est en train de vouloir salir cette personne, c'est mieux de venir de mentir ça. Moi, jamais, ça fait 1 an, toi, moi, on n'a plus parlé. On n'a plus parlé. Et la dernière fois où j'ai parlé, pas que j'ai parlé, j'ai entendu ton nom, c'est quand les enquêteurs, quand j'ai eu mes problèmes, les enquêteurs ont appelé pour que tu me portes plainte. Sachant que moi, je t'ai porté plainte, on t'a demandé si toi, tu me portes plainte, tu as dit non, tu ne me portes pas plainte. Encore pour montrer que tu n'es pas une femme haineuse. Donc, je vais parler de Asumo. Parce que quand je vois les vidéos là, qu'elle a mises, que tu as les asticots chez toi, je suis désolé de dire que quand tu mèches quelqu'un chez toi, si il y a la saleté, ça veut dire que la personne aussi est concernée. Parce que quand tu mèches quelqu'un, parce que déjà ta maison, tu n'es pas là tout le temps. Moi, j'étais chez toi. À chaque fois quand je venais chez toi, ta maison était rangée. Et je tire encore la soleil d'alarme aux gens pour dire que toi, tu ne dors jamais dans ta chambre. Et chacun de nous a peut-être cette maladresse de toi entasser les vêtements. Moi, quand tu arrives chez moi, là, j'ai les vêtements qui sont entassés dans ma chambre. C'est quand j'aurai le temps que je fais le rangement. Il ne faut pas qu'elle vienne dire que chacun de nous a ce défaut. Tu arrives, tu prends les histoires, tu entasses quelque part. Et le jour où tu auras le temps, tu les ranges. Et à chaque fois que je suis dans ta cuisine était propre. C'est vrai qu'il y avait des moments où tu étais fatigué parce qu'on était chez toi, on restait jusqu'à 5 heures du matin. Tu dormais, sachant qu'on devait venir le lendemain. Quand on devait venir, tu rangeais tout chez toi. Donc, l'histoire des asticots, moi déjà, je vais démentir ça. Ce n'est jamais, jamais toi. Peut-être qu'elle allait prendre les asticots quelque part, elle est venue mettre. Déjà, la marmite dont elle a filmé, ce n'est pas ta marmite parce que je connais toutes tes marmites. C'est ça que je veux qu'on soit d'accord. Maintenant, quelle vient dire que tu sais, je n'entre pas dans ça parce que moi, quand j'étais là-bas, j'ai vu le comportement de cette femme. C'est une femme invivable. Et qu'elle dit déjà que tu es sale, il faut qu'elle va venir dire aux gens ici qu'elle fait pipi. Plusieurs fois, je suis venu là-bas, je suis entré dans la chambre que tu lui avais donnée, c'est une chambre, il y avait des odeurs de pipi. Ça, il faut qu'elle dise aux gens qu'elle fait pipi encore au lit à son âge. Non, parce qu'elle est, elle est belle, gorge, elle est belle. Elle est pas qui. On l'appelle quoi? Il faut qu'il puisse. On l'appelle comment? Elle est fontaine. Ouais, elle est pas fontaine. Oui, donc c'est les pipis. Donc elle est pas fontaine. Ouais, c'est oui, parce que à chaque fois que je suis venu là-bas, quand je rentrais là-bas, ça sentait les pipis. Et à chaque fois que je me disais que je ne dors pas. Ouais, je disais que je ne dors pas. Donc, à un moment donné, franchement, arrêtons de vouloir dénigrer les gens qui nous ont aidés. Et ça, c'est mon combat parce qu'en fait, quand elle était là-bas, la nourriture, c'est toi qui donnais la nourriture. L'argent de poche. C'est toi qui donnais l'argent de poche. Papy, apparemment, il dit comme quoi, pour manger ma nourriture, il a fallu qu'elle prenne des pas. Hey! Non, je suis désolé parce que, à chaque fois qu'on venait là-bas, elle voulait me faire
manger, je disais que son manger, j'ai créé du fil d'histoire, je suis allergique. Je n'aimais pas manger sa nourriture parce qu'elle était très sale. Arrêtons de se mentir, c'est une plante, elle est très sale. À chaque fois, si elle est dans le direct, elle n'a qu'à venir. Moi, je ne suis pas là pour mentir. À chaque fois, elle m'a dit, papy, je ne peux pas manger. La dernière fois, elle a fait la sauce gombo. Je lui ai dit que tu es allergique, je ne mange pas. Mais toi, tu vas faire la sauce gombo, viens manger. Voilà, tu te rappelles, tu vas faire la sauce gombo, j'ai mangé. Elle m'a dit, mais papy, tu manges à l'appétit. Oh, tu ne sais pas manger, il y a deux jours, tu as dit que tu ne manges pas. On est resté sur ça. Une autre fois, je suis venu avec... C'est la mamie qu'on dit, moi. Non, c'est pas maman, non, non. Tu mamie, sais, c'est pas ta mamie de ça. Je connais toutes tes mamies. Mais une mamie comme ça. Donc, je connais toutes tes mamies, tu sais. Voici la mamie. Et même après, si je suis en palabre avec toi, mais si on veut mentir, franchement, on arrête de mentir. Parce que tu es tout ce que tu es, mais tu as un grand cœur. Tout à l'heure, tu parlais. Quand je suis arrivé chez toi la dernière fois, il y a une femme qui était enceinte. Tu l'as hébergée chez toi pendant 2 mois. Tu l'as hébergée pendant 2 mois, elle était enceinte. Il est belge avec son copain. Est-ce que tu veux utiliser ça sur les réseaux un jour? Non. Mais pourquoi? Elle n'est pas touchée. Voilà. J'étais là. La femme-là, elle a parlé avec moi aussi une fois. Elle a parlé avec moi. Non. Quand quelqu'un veut saboter les gens, il faut arrêter. C'est pourquoi on dit aider les gens, ça ne sert à rien d'aider les gens. Parce que quand tu aides quelqu'un demain, c'est cette personne qui va venir te saboter. Parce que Eva, elle passait son temps à fumer la cocaïne. Ça, c'était devant mes yeux. Ce n'était pas on a dit. Des fois, elle prenait ça. Tomber sur ses nids, sur son narine. Donc, qu'elle arrête de venir te saboter. Une fois, tu prenais tout ton argent que tu prenais, tu lui donnais. Une fois, elle te faisait la force chez toi. Un jour, je suis arrivé là-bas, elle dit, mais la veuve, comment tu es chez toi? Tu es là, tu as peur d'être chez toi, tu ne peux pas parler, tu ne peux rien dire parce qu'une femme que tu héberges vient te faire la. Vient te donner les ordres chez toi. Je t'ai dit, mais ma chérie, fais sortir cette femme, fais la. Tu sais que moi, je suis assez énergique dans un autre chemin. Pour moi, ce gars, à l'époque, il y avait les gens d'Ambassi. Tu te souviens, non? Oui. Les gens d'Ambassi étaient là. Tu attends, non? Je voulais que j'avais pas même de bruit. J'ai une femme à pas ici. Donc, j'étais toujours obligé de dire, ouais, calme-toi. Mais plus de fois, la police est venue là-bas, c'est moi qui viens. C'est comme ça que j'ai eu. Un jour, j'étais ici, seul. J'ai regardé l'histoire-ci. Je suis allé me raser la tête. Que ici, là, c'est caché. Et je lui avais dit que quand elle rase ma tête, ça veut dire que va mourir. C'est comme ça, alors que elle est là. Elle fait quoi? Dès qu'elle est sortie, j'ai porté les mains, elle est partie. C'est tout. Donc, non, tous mais les mais gens mais qui non. l'ont connue, partout où elle va, au début, elle est comme le chat. Et après, monte, c'est pour montrer qu'elle est quelqu'un. Parce que tu sais, comme elle n'est rien, tu sais, c'est une personne qui n'a pas d'ambition, qui n'a. Donc tu ne peux pas fonctionner. Elle n'a rien. Et bah. Non, c'est pour te dire tout ce qu'elle dit là. Moi, j'ai vécu ça avec vous. Franchement, tu as trop supporté. J'ai trop supporté, mais pour moi, tu sais, quand tu as un bon cœur, on supporte. La tolérance. Oui. Mais parce que. Le fait que tu acceptes une personne et que les gens ont peut-être tendance que tu as peur d'eux parce que parfois toi tu vois ce qu'elle ne voit pas. Non, mais le problème, c'est que la veuve, écoute, quand elle est venue chez toi, elle n'avait pas dormi. Tu l'as acceptée comme ça. Elle devait aller, elle n'avait pas de choix, elle n'avait pas dormi. Tu l'as hébergée pendant, elle est venue pour une semaine, tu l'as hébergée pendant au moins un an. J'étais au courant, d'accord? Et la bureau là, tout le temps, tu m'as amené dans les deux à Paris. Hein? Donc, il ne faut pas qu'elle vienne dire que tu es sale parce que la maison, tu ne restais pas. C'est elle qui est sale, ce n'est pas toi qui es sale. Ah, papy. Donc pour dire que si elle veut te saboter, qu'elle parle d'elle. Parce que si elle veut te saboter, où elle dit qu'elle va partir chez Lolo là. Que Lolo là. Moi, elle dit toujours la vérité. Parce qu'il ne faut pas que le président m'appelle là. Parce que si pour qu'on déclenche encore un clash qu'on ne va même pas t'en sortir là. Moi, tu prends des plages. J'ai mon cœur là, ça saigne. Donc, c'est qu'elle veut commencer là. J'espère qu'elles vont écouper après. Parce que voilà, ce qu'elle va faire là, c'est pas bien. Tu l'as hébergé, elle n'avait pas dormi. Personne ne pouvait l'héberger comme tu l'as hébergé. Okay. Tu l'as hébergé pendant 1 an, 6 mois. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle vient te saboter. Franchement, c'est pas bien. Qu'on arrête la mentalité là. C'est vrai que tu n'es
pas passé, mais tu as accepté tellement cette femme. Tu t'es rabaissé. Une fois, tu pleurais même chez toi. J'ai dit, mais putain, la fille, elle n'est plus allée chez elle. C'est quoi ça? Tu fais ça, moi. Je dis pas, tu sors, tu dis que non, ma copine, tu dois ramener les cigarettes, tu dois lui donner l'argent pour qu'elle baille son départ. Franchement, qu'elle arrête ça. Ça sert à quoi, ça? On a d'autres problèmes. Maintenant, elle vient venir dire, te saboter ton commerce. C'est ton commerce, toi, qui faisait qu'il la nourrissait. C'est ton commerce, toi, qui. Pour moi, pour être bien. Tu vois, non? Et après, on va faire un grand annonce et tout. Et à quoi? C'est d'abord pour moi, pour avoir une belle cuisine. Elle dit qu'il y avait les asticots là, mais ce qui est bien, c'est que j'ai amené beaucoup de personnes là-bas. Tout le monde mangeait ta nourriture, a aimé. Les asticots là, si c'était ça qu'on mangeait, en tout cas, c'était bon à nous. C'était bon à nous. Il faut nous préparer les asticots là, on va manger. C'est ça qui est passé. Je sais avec les asticots dans les frites au salon, non? C'est ce qu'on fait souvent. Yeah. Non, la meuf, il n'y a pas les asticots chez toi. Vous la bête. Est-ce qu'elle est facile de la tuer? Non. Ce n'est pas facile, mais vraiment, qu'elle arrête. Tu as hébergé cette femme. Elle doit te respecter. Mais elle a un mauvais caractère. Il faut pas que tu portes ça. Et moi, ça me plaît la peine, en fait. Tu ne dors pas. Tu es plus comme ta soeur. Si elle dit que la maison est sale, ça veut dire qu'elle est sale parce que c'est elle qui est vivée là-bas. Mais attends, je laisse. Je vivais là-bas. Je me fais 5 mois dehors. C'est là, c'est toujours là. La veuve, je paye toujours. Je dis, la veuve, tu as mon soutien aujourd'hui, demain, après-demain. Ce qu'elle va dire là, amen. Ce n'est pas ça. Je suis avec moi aujourd'hui. Et les gens qui croient que toi et moi, on n'en parle pas, on n'est pas en parle. On a une autre indifférence, mais tu es une très bonne personne. Voilà. Et le gandala, dès que tu arranges la cuisine là, nous on va revenir faire notre gandala là-bas. Il faut dire aux gens qu'elle t'en veut. Pourquoi? Parce que elle voulait créer ta maison en bordure portant. Ça, j'étais au courant. Parce que même quand on était là-bas, elle venait avec les clients là-bas. Les clients venaient là-bas, ils entraient, sortaient, on était là. Je t'avais appelé à la cuisine, je t'ai dit que mais la veuve, c'est quoi ça? C'est l'onganda ou c'est l'onportier portant? Donc, il faut qu'elle dise pourquoi elle t'en veut. C'est parce que elle avait créé ta maison en portier portant, tu as refusé, et c'est pourquoi elle t'en veut. Voilà, moi j'étais là, je connais l'histoire, et tu ne veux pas parler. Il faut dire aux gens qu'elle pisse au lit. Elle pisse au lit. Pourquoi tu as peur de dire? C'est moi qui. C'est ça qu'on appelle pas pour parce qu'elle est polie. À son âge, je ne sais pas quel âge, elle pisse au lit. On appelle sa femme pour d'être pour ouais, laisse-moi le mot que tu ne peux pas dire devant un mental. Non, mais attends, elle fait pipi au lit. C'est elle qui était là-bas, elle faisait venir les gens. Ils entraient, ça sortait. Elle a exploité ta maison. Elle ne t'a jamais payé les droits d'auteur de ta maison. Aujourd'hui, c'est elle qui vient te saboter. Quand elle prenait son pied pissé là-bas, est-ce que combien de fois étaient étouffés les pipis là-bas? Hein? Est-ce que combien de fois étaient étouffés les pipis? On n'a pas parlé de ça. Et c'est toujours eux, en fait. C'est les mêmes gens. Elles sont toujours là, venir saboter les gens. Quelqu'un t'a aidé, tu l'as pas dormi. Elle t'a hébergé chez elle. Elle t'a donné à manger. Elle t'a donné l'argent. Tu payes ton départ. Maintenant, elle a réussi. Elle a sa maison. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Et va, arrête ça. Moi, je n'ai pas envie de t'insulter. Si tu veux qu'on arrive là-bas, moi, je vais te prendre une place. Parce que quand tu filmes la veuve là, moi je te filmais, hein. Et va, quand tu filmais la veuve, moi je te filmais, hein. C'est comme ça. Tu filmais la veuve, moi je te filmais. Si tu veux que je sorte les photos, je vais sortir les photos. Donc fais très attention. Si tu provoques la veuve là, tu m'as provoqué. Elle est calme, elle est super, elle est très gentille. On peut avoir nos indifférences, mais elle t'a aidé. Reconnais ça. Donc tu lui dois du respect. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, va où tu veux. L'histoire retiendra que la veuve t'a aidé, tu n'as pas dormi, elle t'a aidé, elle t'a nourri. C'est comme ça. Tout ce que tu vas dire là, nous on avait la veuve, ayoub, ayoub, ayoub. C'est ça qui est ça. On reste là. On ne sait pas. On a bien. Pardon. Continue alors. On parle de l'unité que nous on vivait là-bas. On va parler de ça. Si tu veux qu'on parle de ça, on va pour l'instant, je m'arrête là. Mais si tu veux qu'on arrive là-bas, on va arriver. Voilà. Comme tu as filmé la veuve là, j'espère que tu vas assumer quand moi je vais sortir tes photos. Tu vas aussi accepter ça, hein. Parce que vous croyez que vous êtes mazo. Nous, on est les mazo, hein. Il y a des photos aussi sur ça. La veuve, je parle de Asomo. Je ne parle pas de toi. On finit avec une fois. Voilà. Moi, je te dis que moi, j'étais là-bas, j'étais
Allô? Oui? C'est pas bon. C'est parti, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est Meta. C'est Meta. Donc, va, tu sais. Oui, allô? Oui? Casse. Mais il faut appeler, aussi. Mais appelle dans le tout nom. Pourquoi tu n'appelles pas? Attends, je te prends le sujet de volume. Vas-y, casse. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Moi, honnêtement, je vais intervenir parce que ce que je vois sur la toile là qu'il va sortir de faire, vraiment, c'est vraiment honteux. Moi, j'ai toujours été chez toi, je suis venu chez toi, j'ai dormi chez toi. Jamais un jour, j'ai même eu l'idée de parler quelque chose qui concerne le chez toi. Mais moi, j'ai même eu l'idée de parler de... Attends, c'est mon... Le papa, ça c'est... Attends, je vais juste... Vas-y. Attends, je mets mon son ici, parce que là... Tu m'entends? Oui, là, c'est bon. Voilà, j'étais en train de dire que je vois ce qui se passe dans la toile, là, avec toi et Eva Somon. Moi, je veux dire à Eva Somon que Eva, moi, je suis arrivé chez la veuve. J'étais vu là-bas chez la veuve. La veuve a pris une chambre, elle t'a donné. Tu as dormi chez elle pendant au moins 3 mois. On peut faire ça. Tu peux pas aller faire ça à quelqu'un. Même si sa maison est sale. Pourquoi toi-même, tu n'as pas pris la serpillère et nettoyé? Puisque tu habitais là-bas. Tu habitais chez la veuve. Tu habitais chez elle. Pourquoi tu n'as pas pris la serpillère? Tu es nettoyé et enlevé toute la saleté qui était là. Tu es comme Coco Mimbang. Vous êtes les mêmes personnes qui filmaient. Vous allez chez les gens, vous filmez. On vous héberge, mais vous partez et restez chez les gens pour filmer les maisons des gens. Il faut arrêter ça. Tu étais chez la veuve là-bas le jour que la police est venue chez la veuve. C'est toi qui avais l'indépendant dans la chambre. C'est toi qui avais l'indépendant dans la chambre. Si on a arrêté la veuve, c'est elle qui allait aller en prison. C'est pas toi. Je ne savais pas qu'elle était dans la chambre. Je ne savais pas. Quand la police est arrivée, je vais faire entrer la police, ta copine, parce que tu voulais que la police entre jusqu'à dans la chambre là-bas pour venir. Pourquoi vous êtes comme ça? On peut être mauvaise aussi comme ça là. Ah. Moi j'étais chez la veuve, j'ai mangé chez la veuve, j'ai dormi là-bas, j'avais les clés de chez elle. Même si elle et moi, c'est la veuve, c'est ma personne. C'est comment, mais ce que tu as fait là, on ne fait pas ça, sa soeur. On ne fait pas ça. Tu penses que quand tu as fait ça, c'est ça qui va faire quoi? Ça va changer quoi sur elle? Ça va rien changer. Ça va changer quoi? Là où tu mangeais, toi-même, tu mangeais dans cette maison, tu dormais dans cette maison. Pourquoi tu n'as pas pris la serpillère et l'eau pour nettoyer le sol? Pourquoi tu n'as pas arrangé la maison puisque tu vivais là-dedans? C'est la seule chose que tu tu commences à filmer les endroits. Il y a tout le monde. Dans toutes les maisons, il y a les articles. Même ici, chez moi, j'ai souvent les articles quand il fait chaud. Parfois, ça sort dans la poubelle. Parfois, ça sort dans la poubelle. Tu te retournes, tu as peut-être les articles dans la poubelle. Tu jettes. Parce que nous, on ne peut pas africain. Donc, il y a toujours les mouches qui entrent dans les poubelles et qui font ça. Mais quand tu as vu ça, pourquoi tu n'as pas nettoyé ça, Eva? Pourquoi tu es comme ça? Elle t'a pris comme une sœur, même si elle est comme elle est. Elle est comme elle est. Nous tous, on sait comment elle est. Elle a un bon cœur. C'est une femme qui a un bon cœur. Elle n'est pas là parce qu'elle va. Elle t'a hébergé. Il faudrait d'abord savoir qu'elle t'a hébergé chez elle. Elle t'a ouvert ses portes. Tu penses qu'on ouvre les portes à tout le monde en France? Mais toi, tu ne peux pas t'asseoir. Maintenant, tu commences à publier. Ce que tu fais là, ça ne va même pas la toucher, même pas. Hein? Parce que tu fais ça dans zéro. Ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire. Donc, tu cherches à te fabriquer. Quand toi-même, tu as laissé tes enfants là-bas, là, que tu as fui ton mari, là, tu penses que les gens ne veulent pas parler, qu'on ne connaît pas ta vie. Tu penses qu'on ne connaît pas ta vie, Eva. Tu es venu chez la veuve. Moi-même, j'étais présent. Tu as mis le départ pour que la police vienne. Et la police est arrivée. Maman, tu penses qu'on ne peut pas parler de toi? La police dit qu'il faut aller dans la chambre. Ils sont allés dans la chambre là-bas, se cacher là-bas. Voilà, tout le monde était là.
ce jour-là, on était avec les poils des filles. On était, mais je dis même, on était avec Avec Ezra. C'est comme ça, là, vous pouvez entrer pour vérifier, hein, si y a du monde. C'est comme ça que c'est. Je dis que non, on n'entre pas là-bas avec la police. Si la police venait, on trouvait, il y avait les grosses lits. Et moi, dans ma maison, je ne savais pas que la chambre, là, il y avait le débat. Elle avait posé cette main pour un gant de roue. Normalement, si tu arrives chez la veuve, tu trouves que c'est sale et tu habites là dans cette maison. Pourquoi toi, tu n'as pas nettoyé alors que tu es là? Toi-même, tu es une sale femme. Toi-même, tu es une sale femme. Là où tu vis, à l'époque. Là où tu vivais là dans cette maison. Parce que vous aimez humilier les gens, vous aimez faire que vous. La veuve même dit toujours aux gens que la veuve n'est même pas sale, c'est qu'elle est juste désordonnée pour moi. Elle est désordonnée, elle n'est même pas sale. Mais quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, tu trouves que c'est sale. Pourquoi tu ne nettoies pas alors que tu vis là? Tu prépares dans cette cuisine. Le jour où je suis arrivé là-bas, ça, c'est toi qui avais chopé le bisou que tu m'as donné. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te mettre sous la toile parce que vous allez m'attendre. Oh, je vais t'humilier. L'humiliation, là, ne la touche même pas. Je te dis ça. C'est moi qui parle, casse la chicotte. Je te parle. Parce que moi, j'étais dans cette maison et j'ai mangé là-bas, j'ai dormi. Je ne suis jamais tombé malade. Je suis jamais tombé malade parce que j'ai mangé là-bas. Et elle prépare très bien. Merci. Mais il faut arrêter un peu. Donc, on ne peut pas se lever. Tu commences à aller filmer la maison des gens. Tu filmes la maison des gens. La veuve était venue chez moi. Elle n'a jamais filmé le chez moi. Merci. Elle est comme elle est, mais elle n'est pas méchante. Tu viens là, tu vas commencer. Tu dis que tu veux l'humilier. Tu vas l'humilier par quoi? Quand tu t'as fait ton départ là-bas chez la veuve, là, moi-même, j'étais là le jour-là. Tu sautillais comme la tisse. Jusqu'à la veuve, quand même, dit que non, il ne faut pas taper les pieds au sol comme ça, avec les gros talons que tu portais là. Mmh. Tu sautillais dans la maison déjà. Tu as même fait la boîte de nuit dans ta chambre, dans la chambre que la veuve t'a donnée. Tu as acheté le micro avec les basses, tu faisais tes boîtes de nuit là-bas. Tu faisais ton karaoké là-bas dans ta chambre, non? Maintenant, tu dis que tu vas l'humilier quoi? Par rapport à quoi? Franchement. Franchement, hein. La veuve, je te soutiens, ouais. Rien ne va te toucher là. Mais il ne faut même pas avoir mal dans ça. Tu vas arranger ta cuisine et on va te soutenir. Ouais. On va te soutenir. Merci beaucoup. Attends, on est des soeurs, vous faites les choses vraiment comme. Je ne comprends, je ne vous comprends même pas, franchement. C'est même quoi ça? Eva, tu n'as jamais mangé la nourriture de la veuve. Elle t'a laissé. Tu ne payais même pas la maison chez elle. La veuve est venue dire ici sur la toile que tu payes. Tu n'as jamais payé chez elle parce qu'elle voulait te défendre. Tu n'as jamais rien payé chez la veuve. La veuve t'a donné la maison, la chambre là, gratuitement. C'est juste parce qu'elle voulait montrer aux internautes que non, elle ne t'a pas donné ça gratuit, que tu payes. Tu n'as jamais rien payé là-bas. Tu n'as jamais rien payé. Tu viens à toi, tu me. Je dis que comme je te parle, tant que moi je t'attrape à Paris, je te tabasse avec les mains. Parce que je sais où te trouver, je connais où tu marches. Je connais comment tu marches. Tant que seulement. Je dis que je t'attrape à Paris là-bas, je finis avec toi, je te tabasse. Tu vas passer, tu n'es même pas d'abord fort. Tu viens là-bas, tu commences à dire que oh, ta maison est sale, la maison est comme ça. Tu n'as pas mangé là-bas. On peut faire des clashs, ça suffit, il faut arrêter un peu à un moment donné. De toute façon, moi, c'est ce que moi je voulais dire aux gens, parce que les gens sont toujours là, ils vont voir là que oh, la veuve, la maison est comme ça. Et bien, à ce moment-même, c'est toi-même qui as mis les asticots. C'est toi-même qui as mis les asticots là, parce que tu voulais l'humilier. Tu es comme Coco Mimbang. Coco Mimbang, c'est la même chose qu'elle a fait. Coco Mimbang, Mizout, là. C'est elle qui avait fait ça aussi chez les Goupons là-bas. Vous entrez chez les gens, on vous donne les maisons, vous venez filmer chez les gens. Même si quelqu'un dort même dans la poubelle, est-ce que tu as le droit de venir filmer sa maison? Si c'est même moi, il faut même porter plainte à cette pétasse-là. Il faut porter plainte. Tu as les preuves, elle est venue chez toi, elle a filmé ta maison, tu portes plainte contre elle. On est quand même dans un pays de droit et de loi. De toute façon, je suis dans ton direct et je te remercie beaucoup. Merci. Courage. Merci à vous. Merci à toi, ma soeur. Tonton Gilles, j'ai encore été venu. Il y a Bertrand accepté.
Mais tu as demandé, je t'ai envoyé c'est pardon. Ça ne passe pas. Je vais encore appeler. Il y a Dorian. Qui dit qu'il veut. Ça ne passe pas aussi. C'est pas qui d'autre. Ça ne passe pas. Moi, je m'en. Vous savez, dans ce genre d'histoire, il faut faire attention. Eh ben, je m'en fous. Moi, je t'ai aidé. Je t'ai aidé. Je suis fier de moi. Oui. Peu importe les commentaires, nous y répondent ou quoi. Tu as filmé. Oui. Tu filmes là. Oui. Il faut aussi filmer là où tu dormais. Voilà là, les Camerounais. Comment ils se comportent. Vous avez entendu? Maman. La police arrive le jour-là et j'étais à la cuisine. Je ne savais pas qu'il y avait un débat dans la chambre que vous voyez ici. Et c'est moi qui propose. Je dis, monsieur le policier, il faut venir regarder s'il y a des gens. Ils ont fait un cas de la chicote et il y a couché là-bas. Ils sont cachés là-bas. Et comment là-bas, il n'y a pas une tour de lumière là-bas. C'est une dame qui était ici, la copine de cas de la chicote, qui dit que non, monsieur, vous n'avez pas les bois dans ce. Bah, tout le monde est au courant. Moi, dans ma poule, je ne serais pas. Imaginez que la police ouvre la porte ici et on trouve les. Et les Ndemba étaient bien alignés. Comment on dit? Avec les 50 euros pour tirer. Imaginez. Et en même temps, il y avait les gens d'en bas qui me posaient les problèmes ici en bas. Moi, j'aime mon cœur. C'est comme je suis. À prendre ou à laisser. Tu as montré, tu as filmé ma salle de cuisine, tu as montré ma chambre, tu as montré tout. Et après, vas-y, continue. Avec moi, ça ne chauffe pas. La méchanceté de l'homme noir. Il a dit que, imaginez que le policier est déjà ici. Hein. C'est la dame qui te dit, non, monsieur, vous n'avez pas le droit. Sortez. Dans tout ça, moi, tu as fait le poisson brisé. Là-bas. Ils ont même pas. Elle était là. Parce que il faut combien 3 ou 4 personnes, c'est ça. Maman. En tout cas, Eva, tout ce que tu vas faire ne marchera jamais. C'est ma maison. Elle est comme elle est. Oui. Je suis comme je suis. Oui. Je ne suis pas parfait, hein? Moi-même si, je reconnais. Mais alors. Tu as filmé. Tu veux montrer quoi? Si tu veux être star, ma soeur, dis-moi, on te fabrique. C'est tout. Hmm? Oui. Poisson en alcool, oui. Yeah. Ça fait quoi? Vraiment. Non. Moi, je n'ai pas peur. Tu entends? C'est toi qui devais avoir peur de la situation. De porte-plainte, bien sûr. Si je savais où tu vis. Parce qu'aujourd'hui, chez la veuve, demain, tu es chez Waris, on te cherche partout. On ne connaît pas où tu vis. Parce que toi, déjà, même ton passeport camerounais est fini. La carte de séjour depuis 3 ans, tu ne peux pas le faire renouveler. Et c'est toi. À filmer, tu as montré le mauvais cœur des Camerounais. Tu as quoi obligé? Tu as quoi? Rien du tout. Parce que tu vas être star? Vas-y, mais tu seras star. Nous, on va t'applaudir. Oui. Un lien chez toi, laisse peut-être une perruque comme ça. Même pas une perruque parce que dedans. Elle laisse peut-être un truc comme ça. Elle t'appelle, elle dit. Elle a vu, moi, j'arrive, hein. Je viens prendre ma période pour partir. Je dis oui, j'ouvre la porte. Après, ça va. Moi, est-ce que je peux aller dormir un peu? Comme ça, demain, je pars.
maman. Demain, je bats les reins. Toi, cette semaine, tu es là. Le frigo est vide. Elle mange comme un bœuf. Donc, tout ce qui est au frigo, elle mange. Mais fais quand même pas les courses. Ben oui. Je ne dis pas non, je m'en fous. Fais un peu les courses. Parce que moi, je n'ai pas de copain. Vous connaissez mon copain. Boris connaît mon copain. Jamais. Vous voulez présenter mon copain par rapport à quoi? Hein? Regarde comment tu es devenu. Je suis pas de quoi avec toi. Regarde ma robe. C'est Fendi. Fendi. Eh oui. On t'a dit quoi? Je ne dis pas que je suis ça. Je ne sais pas comment dire ça. Mais alors? Mais moi, tu savais que tu pouvais tourner partout. Tu penses que, ma sœur est là-bas. Et tu sonnes et je t'ouvre la porte. Tu viens dormir. Tu veux payer la gueule à qui? Avec quoi? Voilà. Continue. Et moi, je vais te porter plainte. Va aller faire une main courante pour toi. Va d'abord sur ton nom. Est-ce qu'elle va sur ton nom? Son nom. Son petit prénom. À la prostitute comme Valérie Boko. Là où je t'avais. Dans le surnom d'Eva. Franchement. Il n'y a que les pauvres. Les pauvres n'ont jamais pitié de. Eh oui. Jamais. Je vais parler de moi n'importe comment. Mais au moins, moi j'ai ma clé. J'ai un dame mon cadre. Oui. J'ai ma tour Eiffel. Toi, tu as quoi? Tu ouvres ta salle, putain de gars, tu me parles, moi. Franchement. Dans la vie. Franchement. Vas-y. Parlez de ma vie. À la télévision du quartier de Lombouja. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Mais oui, vas-y. Je m'en fous. Filme tout ce que tu veux. Tu dis que tu es propre. Il y a la chambre. Je suis pas là. Tu as le pouvoir dans ma maison. Je suis pas là. C'est toi la maîtresse de maison. Hein? J'ai pitié de toi parce que tu fais pitié. Pitié à ça. Comment dire pitié à ça? Oui. Moi, je m'en fous. Je peux aller faire même un an au Cameroun. J'entre ici. Je ne sais pas que je suis chez moi. Ma maison est là. Peu importe comment ma maison est, je suis quand même là. Toi, là, tu as quoi? Tu penses qu'en allant chez. Vas-y! Qu'est-ce que tu veux? Mais. Je te dis plus jamais. Et c'est la dernière fois que je parlais même de toi. Quand tu ne vaux même pas la peine. Moi, j'ai eu pitié de toi. Vous m'entendez? Pitié. Plus jamais. Je ne sais pas. Quand les gens sont intégrés, j'appelle. Tu es qui? C'est bon. On dit souvent que dans la vie, tu soignes un malade le lendemain. Le malade va te regarder comme ça. C'est le malade qui va te dire que c'est toi qui es malade. Je ne regrette pas. Je l'ai fait. Parce que j'ai un bon cœur. Je l'ai fait. Parce que j'ai vu ta situation. Oh, j'ai des amis, tu as quel ami? Dis-moi, quel ami peut te supporter? Au début, quand tu rentres, tu viens comme un chat. Tu es contente, tu es tout, douce. Et après, tu commences à prendre pour la nuit. Dans la maison. Ma chambre aussi. Tu as pris la radio là-bas, avec le micro. Il y avait le moment que j'étais en direct. Quand je parle ici, tu venais souvent menacer. Moi, je disais que non, tout le monde a écouté. Jusque là, j'étais mis dehors, j'étais comme encore repris. Tu as quoi? Tu es où? Tu habites où? Où? Donc, dans la vie, vous savez, il faut faire très attention. Mais qui vient habiter chez vous? Nous ne voulons plus la
n'importe qui. N'importe qui. Au début, tout le monde est toujours content. Hey, ma veuve, tu veux le thé? Tu veux le café? Tu veux ceci? Oui. Mais après, il suffit que la personne a été un petit truc. Elle commence, le problème commence. Oui. Moi, je te souhaite bonne chance avec tes nouveaux amis. Oui. Oui. Je suis une seule femme, ça l'intérêt. Oui. Mais moi, je n'aurais jamais pu pitié de toi. Et moi, je te dis, en tant que madame Tégrémont, veuve Tégrémont, je te porte plainte. Mon mari et moi, j'étais où? Il a agonisé, t'es où? J'accompagne mon mari jusqu'à la fin. Tu entends? Et toi alors? Tu parles de tout. Tu racoles partout. Racoles même chez le pipi, je m'en fous. Racoles, va faire le dire là où tu veux, je m'en fous. Je suis madame de Grimaud. Au moins, moi j'ai un nom. Mon mari aussi. Tiens, t'as pas où? Tu vivais, tu as une très belle vie. Regarde celle-ci. Une, je ne peux plus trop parler, et pas trop exciter. Une rien, donc comme toi. Hein? Tu as vu mon immeuble au pays. Tu veux que. Attends, je vais mettre ça un peu, peut-être que je sais ici. Je vais chercher pour ça. Ah oui, comme j'arrive. Après, je vais mettre. J'ai tout. Tu as quoi? Tu as quoi, ma soeur? Quand tu arrives chez les gens, on t'envoie comme un petit toutou. Et puis, écoutez, on se m'assise. Et puis, la cigarette finit. Bah, il faut acheter la cigarette. Et maman, il pleut. On est là. Tout le monde est assis. Comment c'est la pauvre? Elle n'a rien. Elle ne participe pas à nos choses-là. Oui. C'est elle qui part acheter les cigarettes. C'est elle qui nettoie. C'est elle qui. Maman. Ah oui. Parce que les gens sont jaloux de toi. Tu t'es regardé d'abord. De qui? Tu as un petit toutou. Je m'en fous. Un petit toutou que tu es. Tu ne vaux rien. Tu ne représentes rien de la société. Hein? Ton statut, c'est quoi? Oui. Quel est ton statut? Aller chez les gens, dormir, faire le ménage, dormir, ce n'est pas la croix. C'est tout. C'est ta vie. Moi. Peu importe que les gens vont penser de moi. J'étais ouvert à la porte. Tu as fini. Tu as tout fait. Mais ce n'est pas grave, mais c'est moi, c'est ma maison. C'est ma maison. Tout ce qui est là, c'est pour moi. Parce que moi, je sais payer mon loyer. Je paye mes taxes d'habitation. Je paye tout. Mon assurance d'habitation, tout. Je paye. Je paye l'eau. Le courant, je paye. Ça n'a pas, j'ai demandé à mon compte. Tu m'entends? J'espère que tout ce que vous avez dans les réseaux sociaux, ça vous sert de ce qu'on a. Quand vos copines arrive chez vous. Il ne faut pas pour savoir le dire. Pardon, partez. Oui. Mes filles me suivent. Parce qu'apparemment, j'ai encore d'autres choses. Vas-y, mais. Je m'en fous. Mais. Eh oui. Et alors, il y a quoi? C'est moi, vous joyeux. Toi, tu ne seras jamais riche. Les ténébreuses ici. L'homme pour j'ai dit ce que tu le sais, non? Hein? Tu veux qu'on ça? Je m'affrontais avec une SMLE comme toi. Donne-moi ton adresse. Attends, il y a un problème. Tu vis où? Tu habites où? Moi, je veux savoir là où tu es. On vous ouvre les portes de la vie. On vous aide. Vous partez, disons les gens, vous enregistrez, vous faites tout. Je m'en fous, c'est ma cuisine, c'est ma chambre. Tu attends? Tu vas parler de la psycho, tu mets
les asticots, oui. Regardez, regardez. J'étais là. Hein? Hein? Tu peux me filmer? Tu peux me filmer? Comment tu as? Quoi? Apparemment, tu as que. Tu as encore. Mais est-ce que tu as? Mais, ça fait quoi? Vas-y, mais. Pas comme toi. Donc, la vie, il faut faire attention à qui vous ouvrez votre porte. Il faut faire attention à tout maintenant. Voilà. C'est ma chambre, c'est ma maison. Je te fais confiance. Tu es jalouse, tu es envieuse. Parce que tout ce que moi j'ai, tu n'auras jamais ça. Tu attends? Tu n'as que ça. La gueule. Pourquoi tu parles pour ça n'a rien. Tu as quoi? Dis-moi. Moi, je pars travailler. Hier, t'es où? Moi, je garde mes petits vieux sur le quartier. Même les chats demandent aux gens. On m'appelle. Madame, je vais aller. Est-ce que vous pouvez venir garder mon chat pour 3 ans? Regardez-moi nous. Ah, je parle là-bas. Je vais 50 euros. Je m'en fous. Et toi alors, va travailler un peu. Fais déjà ton passeport. Tu fais ton passeport. Tu renouvelles ta carte de séjour qui est périmée. Hein? Tu me parles, moi. Ah, moi, je me débrouille. Tu veux gâter mon commerce? Vas-y, gâte. Plus jamais. Ça, c'est mon Dieu que je fais aujourd'hui. Plus jamais. Regarde, je vous montre. Voilà, moi j'ai économique. Voilà mon argent que moi j'ai depuis hier, c'est chez moi. Moi, je débarque partout. Mais moi, je ne suis pas tous les gens qui le on va monter son passeport. Oui. Ah. Voici son essai passé. Carte vitale. Ma soeur se promène avec. Non, madame, la carte vitale, on ne connaît pas ça. Parce que c'est là où on peut taper quand même un peu. Pour te retrouver. Tu ne sors pas ici. Vraiment. Vraiment. Mais je te remercie. Je te remercie beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que j'espère que ce se passe là. Ça vous fait. Les tâches de quoi? Ouais, elle monte, je m'en fous. Sachez que tous les gens qui ont parlé dans cette vidéo avec les trucs et tout, je vais vous bouquer après. Cette femme de la dépression, moi la dépression, quelle dépression? Moi qui apprécie de vous, je suis contente. On est comme ça. Allô, ouais. Telle façon qu'elle veut, nous sommes toujours derrière toi, ok? Nous t'aimons, Warriors. Personne n'est pas la perfection n'est pas de ce monde. Ouais. C'est juste un coucou des States. Nous t'aimons. Bye, bisous. I love you. Bisous. Merci, bon, merci. Bye, je suis ouais, dans merci, le direct. Merci beaucoup. Dans le direct. Merci. Sors du direct. Alors là.
Ce sont les... Oh, les grandes dames qui aiment la robe joyeuse. Ouais. Wari, ça va? Ouais, moi je te respecte. Non, je laisse consulter dans mon direct. Quand mon père sera chez vous, il y a quoi? Hein? Moi je suis pour. Voilà ma précise la classe. Waouh! Eh ben dis donc, la donnée. Ouais, j'espère que ça va prendre. Ouais. Ouais. Oh, la londonienne. La veuve soutien total. Merci, maman. Très bien. Les veuves, les orphelins, on doit les protéger. Tu n'as jamais vendu le rêve. Tu te montres sur ta vie tous les jours. Et quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne connaît pas ta vie. Quand tu vas acheter ta boisson, tu dis que toi, voici qui peut acheter ta boisson. Quand tu as dit faut pas, tu dis que toi, voici qui ne peut pas. Même quand tu as même un de tes gars, tu dis que le voici, tu ne caches pas ta vie. Donc, tout ce que les gens viendront exposer, c'est next. On s'en fout, nous on t'aime comme ça. Tu as compris, non? Ne te plonge pas dans les soucis que nous on t'aime et quand on aime quelqu'un, c'est le mauvais côté qu'on prend. Il ne m'est jamais arrivé d'appeler chez toi, mais il dit soutien total. Quand on dit que tu parles, tu vas aller où? Qui est parfait là-bas? Je parle. Personne n'est parfait. Je dis, tu as mon soutien total. Et tes condiments, dès que je vais arriver à Paris, je t'envoie tes condiments. Oh, ha. Celui qui ne veut pas venir chez toi, qui ne vienne pas. D'autres qui sont en tête, ils sont là. Peut-être que si tu parles même sous le velet, il y a les souris en bas. Tu as bien suivi, non? Personne n'est propre, personne n'est sale. Chacun, les gens avant de venir chez toi savent ce qui les attend. Alors quand ça sort, comme ça sort, ne vous fâchez pas. Merci beaucoup. Si quelqu'un a des choses sur toi qui verse, on travaille. Mais moi particulièrement, même si on dit que tu as fait quoi, je suis qu'avec toi, Aura. Soutien total. Merci beaucoup. Merci. Donc, passe une bonne soirée sur le travail. Okay, merci beaucoup. Bonne image, merci. Et toi, sorti du direct. Voilà. Et maman précise la classe. Bah écoutez, les gens qui vont. Laissez-les, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis comme je suis. Donc voilà. Donc. Les gens qui voulaient continuer à m'insulter, allez-y, je m'en fous. Mais c'est Meta qui va vous insulter. Hein. C'est Meta qui va vous enlever, hein. C'est pas moi. Hein. Eh, ouais, joyeuse. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Et merci pour le soutien. Merci beaucoup, c'est gentil. Vraiment, ça me fait vraiment droit au cœur. Merci beaucoup. Ça va vraiment. Tous les soutiens qu'on m'a apporté, le fait de m'appeler, le fait de me commenter, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles commentaires ici. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, si elle va me continuer à m'insulter, à me rabaisser, qu'elle. Je m'en fous. C'est tout, parce que moi, c'est mon dernier direct que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait le dernier direct. Et après, moi, je ne regarde plus les choses. Quand ils m'insultent là-bas ou quand ils ne m'insultent pas, c'est son problème. Et c'est la tour de contrôle. Parce que, quand même si j'ai un mauvais comportement, même si je suis comme je suis sale, quand même parfois, merci que ça chicote. Eh, qui est parfait? Tout le monde sait que la voix joie n'est pas parfaite. Tout le monde sait que quand je dis que je rame une fois, je m'en fous quand même. Même Pipi de l'eau, le long Fondia, elle connaît qui je suis. Et finis tout. Voilà, alors ça change. Finis tout. Et alors, ça change quoi? Mais c'est moi. La voix joie. Donc, dans la vie. Donc, moi, je vous dis pour les prochaines personnes qui vont. Allô?
Oui. Oui. Allô? Bonjour, bonsoir la veuve. Oui. Alors, j'aimerais t'apporter mon soutien. Tu as tout mon soutien. Merci. Oui, juste ça. Et j'aimerais aussi, j'ai principalement pour te dire que les gens en commentaire demandent ton PayPal. Parce que nous aimerons qu'on récupère pour ta cousine. Donc, si tu fais, mettre ton PayPal afin qu'on puisse contribuer et justement. Non, je veux mettre tout à l'heure quand j'ai fini le direct. Après, je veux mettre mon petit PayPal, d'accord? Je n'ai pas vu, il y a tellement de commentaires que je n'ai pas vu, c'est pour ça. D'accord. Voilà, tout à l'heure. Ok. Sinon, merci et bon courage à toi. Merci beaucoup, mon frère. Bon, vous savez qu'il y a combien, il y a beaucoup de commentaires, donc, attends, je vais un peu cacher. C'est devenu bizarre. Écoutez, je suis comme je suis, hein, donc, voilà, si c'est une bonne chose d'entrer chez une personne. Moi, je vous reste tout le temps, je laisse ma maison, je vais en Afrique, je laisse ma maison. Vous faites ce que vous voulez de ma maison, c'est votre maison. Ça vous mentir. Hein. Et ce qu'il y a, il y a 800 personnes, moi je vois, il y a 800 personnes. J'ai merci beaucoup pour les 800 personnes et tout. Je vais vous dire une chose, c'est que je ne suis pas parfaite. Tout le monde serait sûr que quelqu'un était difficile à vivre, qui est très bizarre. Tout le monde sait. Je remercie aujourd'hui tout le monde qui m'a suivi. Je suis très fâché. Je suis très fâché. Je suis... Allô? Oui, papy, parle. Ouais, donc, je voulais te dire, en fait, moi, je veux te dire, tu n'as même pas besoin de te casser la tête. Tu as fait ce que tu avais fait. Tu as aidé une sœur qui était en détresse, qui n'avait pas où dormir. Tu l'as aidé. Et tu sais, on dit chez nous, le chien que tu nourris, c'est lui qui te mord demain. Tu as fait ce que tu avais à faire. Et tu es comme ça. Tu parles aujourd'hui, même si demain quelqu'un vient te voir qu'il a un problème, tu vas toujours dépasser. C'est toujours ton cœur. Tu vois, moi, je te connais. Moi, j'ai vécu avec toi. Je dis, même si c'est qu'on s'est clashé, mais c'est de mon devoir de venir défendre ce qui est faux, en fait. Moi, j'ai dit, j'ai envoyé un message à quelqu'un. Elle passe chez les ténébreux, elle ne va jamais passer. Si elle passe là-bas, moi, je vais agir, ça va être mon problème personnel. Donc, fais ton direct, ne parle plus d'elle. Tu as parlé, c'est bon, passe à autre chose. Occupe-toi, il y a d'autres problèmes qui sont plus graves que ça. Donc, sache qu'on est avec toi, on te soutient, on va te soutenir. Voilà. Donc, c'est un détail. Tu as aidé une sœur qui avait des problèmes. Tout le monde a vu. Elle était chez toi. Elle était plus chez toi que toi-même. Donc, maintenant, ce qu'elle va dire, ce qu'elle va dire là, c'est qu'elle-même, elle est sale. Voilà. Parce que si elle était une vraie femme, quand tu arrives chez quelqu'un, la personne est sale. Toi-même, tu te mets dans le bain, tu fais le ménage. Donc, ce qu'elle va dire aujourd'hui, on sait que c'est le sabotage. C'est toujours comme ça. Donc, les sorciers, pour se défendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours venir, voilà, chier et ils vont dire que c'est toi qui as chier. Donc, du coup, passe à autre chose. Tu as rendu du bien. N'attends rien en retour. C'est Dieu qui va te donner ta récompense. C'est tout ce que tu as dit. Donc, sois forte. On est avec toi. Et on dit, on ne peut pas gâter ce qui est propre. C'est tout ce que j'ai à te dire. Moi, c'est tu es une noire, je suis une femme forte. Et je sais que voilà, ça va pas. Voilà, et on est avec toi. Parfois, on est un peu forte. Parfois, ça arrive qu'on est un peu cassé. Tu vois un peu? Oui. Donc, vraiment qu'elle arrête de faire ce qu'elle a à faire là. Moi, je veux m'occuper d'elle personnellement. Si elle veut pousser, elle est mazo, même je suis mazo, mais qu'elle voit aussi les pipis qu'elle a eu à piscine là-bas, tu as eu beaucoup de souffrance. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais voilà, elle a trop pissé chez toi. Donc, il faut aérer la chambre là, parce qu'on venait là-bas, ça sentait l'acide. C'est quoi ça?
On peut pisser comme ça. On peut pisser comme ça. Le monde, je viens d'avoir le matin, c'est la cocaïne qui était là. Le soir, c'est la cocaïne. Elle est épave, c'est une épave, c'est une carcasse épave. Faut dire les choses vraies. Moi, j'ai pas envie de mal parler. Parce que parle, on m'a dit qu'elle parle mal aux femmes. Donc, je préfère rester comme ça. Donc, ça ne va rien te faire. Reste pareil, reste comme tu es. Et non, mais je promets pas... qu'après ça, j'éteins mes caméras, je vais te faire Facebook. Ouais, ne parle plus de ça, pas ça. Parce que normalement, il y a un guarine demain à la maison et tout. Donc, voilà. Voilà. Je remercie vraiment tout le monde qui me soutient, voilà. Qui m'a soutenu, parce que franchement, il y a quoi qui est encore. Tu es une bonne personne, tu es ce que tu es, mais tu es une bonne personne. Moi, je dis, donc, moi, j'étais chez toi, j'ai vu comment tu te cassais la tête pour qu'on puisse bien manger. Tu étais toujours la même, ton argent, tu achètes les choses pour qu'on mange, pour nous mettre bien. Donc, ceux qui vont venir dire que ça passe, tu vois, c'est ça. Quand tu es en classe avec quelqu'un, les gens cherchent la tête. Allez, vas-y, porte-toi bien, madame. Ok, à bientôt. Ouais, c'est ça qu'il s'agit. Je n'ai jamais dit que je une personne correcte parce que moi c'est facile, ce n'est pas facile avec moi, hein, tout le monde sait que avec moi c'est un kata kata, mais il y a un moment que tu bah oui, il y a un moment que même ouais, tu t'affaiblis, vous voyez un peu, c'est ça. Donc vraiment je remercie tous les gens qui me soutiennent de partout. Oui, au début quand ça commençait je n'avais pas de soutien, mais parfois dans la vie, ça savoir qu'on n'est pas seul. On a besoin aussi, les gens nous appellent pour nous soutenir, pour nous rendre plus fortes. Vous comprenez? Parce qu'il y a des choses que parfois tu ne comprends pas. Donc voilà. Et sachez que la méchanceté existe. La méchanceté, là, ça existe. Oui. Donc voilà. Je vais m'appeler pour elle. Au contraire, j'ai plutôt pitié d'elle. Donc, c'est parce qu'elle va aller partout. Moi, je ne parle plus. Ça fait rien dire que j'ai fait. Je vous remercie à tous. Je remercie tout le monde. Parce que dans la vie, c'est pas toujours dit qu'on ne peut pas créer un monde seul. Il faut bien qu'il y ait des gens à côté qui te poussent aussi. Je ne suis pas une mauvaise personne. C'est vrai, mais j'ai un mauvais comportement. Oui, pas un mauvais comportement. Je suis. Les gens me connaissent très bien. Donc, voilà, mais si quelqu'un est toqué à ma porte, j'ouvre toujours, et puis, voilà, j'ai aidé beaucoup de gens, donc, voilà, donc, ma soeur, elle m'a sûrement filmé la cuisine, filmé la mamie, je ne sais même pas quoi, filmé ma chambre, ma cuisine, filmé la maison. Bonjour, ma fille. Dame, à nous. Encore toi. Pourquoi tu te laisses? J'ai dormi 2 jours chez toi, je n'ai pas filmé ta maison. Il faut respecter mon esprit. Je ne suis pas méchante. Je suis en direct aussi. Je te supporte depuis, mais vraiment, toi aussi, il faut arrêter d'amener n'importe qui chez toi. Tu entends? Oui. Tu as compris? Oui, maman. Arrête d'amener, arrête d'ouvrir ta porte à tout le monde. Veux-je Bolingo. On se connaît depuis à quoi? Est-ce qu'une fille d'Aqua peut te faire ça, à part ta femme là? Question. Carole t'a déjà fait ça? Je te pose une question. Non, maman. Carole ne t'a jamais fait ça, non? Attends, il y a un problème. Attends. Rappelle, il y a un problème avec moi. Je dois charger. Donc, je vous remercie. Je suis très fatigué. Parce que c'était un combat de bon combat. Et puis, peu importe les commentaires qui vont suivre, je ne vais pas me bloquer. Vous avez raison de me critiquer et tout. Il y a un problème, c'est que je ne suis pas
une personne méchante. Moi, on sort d'ici, je sors. Puis on m'a envoyé, c'est toi qui? Il faut dormir ici. J'ai les matelas ici, je me sens tout le monde dort. Et hey, non! Ouais! Mais, parce qu'on dit là, ça m'a beaucoup touché. Parce que, quand je l'ai traité, elle a quand même fait mal. Puis, Eva, j'accepte. Puis, tu m'as humilié. Tu m'as fait mal, j'accepte. C'est bien. Moi, j'ai accepté. Ça m'a fait mal. Et c'est là où tu vis. C'est là où tu manges. Je t'ai aidé. Je t'ai aidé, ma soeur. Même s'il y a quoi, tu filmes tout. Verse tout. Comme ça, quand on va te voir, quand tu vas entrer dans les restaurants, les témoins, les gens vont t'aimer. Quand tu vas entrer partout, les gens vont encore t'aimer. Moi, j'accepte. Tu as réussi. Tu m'as touché. Ça fait mal. Oui. Continue. Monte-moi dans ma page de nom, Julia Robert. Oui. Mais sauf que moi, regarde-moi, dans mes archives, comme tout, je suis chez moi, de mes deux chambres, je suis seul. Je suis chez moi. J'ai ma télévision. J'ai dû la connexion de mes voisins, ou en bas ou en haut. Oh, si je suis ma connexion, je ne dérange personne. J'ai à manger, j'ai à boire, j'ai mon whisky, si je veux. Donc, parfois, il faut accepter la vérité. Mon PayPal. Ah, moi. Mon PayPal, c'est. Ah, ouais. Attends, je vais voir. Vous voyez que j'avais mes lunettes. Alice est venue toujours la plus sale de partir. C'est Elisabeth Degremont. Elisabeth Degremont, Bilou et Foi. Oui, il y a pour que. Emma, pardon, mais c'est toi qui suis ça. Donne la. Il y a les clés sur ça. Donne la fumée. Ouais, ma ouïa, mais je vends. Donc, non, pour ma faute, non, pour les influenceurs qui vont m'aider, je vais le faire, pas maintenant. Ma faute, attends ça. Quand je vais demander tout. Influenceurs m'aider, ils m'ont aidé. Comment il y a gagné? Je ne vois pas bien. Attends, je ne sais pas comment je m'écris ici. Elisabeth, le mot, l'eau, il faut. Voilà, comment on ne peut pas ici. Là, mon PayPal. Là, mon PayPal ici. Donc, voilà, hein. Moi, je suis chez moi. Donc, accueillez les gens chez vous. Hein. Il faut faire attention. On a pu. Mais tout le monde peut mettre dans une zone, ça fait que je dors là-bas. Est-ce que je dors? Mon invité, c'est pas Vincent qui va inaugurer ma maison ici, la maison ici. Mon invité, c'est pas Vincent qui va venir servir sa tournée. Ils vont manger ici chez moi. Lolo! Vous savez que. Après, vous y a tout le monde. Moi, j'aime beaucoup mon jari. J'ai vu pas pour jamais.
même encore. Donc la fille a vraiment pris par vous, j'ai pas ça. Merci beaucoup. Je me couche. Maman. Marie de yo, yo. Vous savez que quand on a un dossier, il y a deux dossiers. Voilà. Parce que le lot pour les états de l'Est d'abord, j'ai seulement vu quelqu'un qui est là. Quelqu'un m'a mis, justement dit, je dois d'abord finir avec mes histoires des vaccins. C'est bon, arrivé là. Ancien Marco, moi j'étais ma soeur, oui. Moi, j'ai déjà, j'ai été ma soeur. Si elle ne me reconnaît pas, ce n'est pas grave. Si elle continue à me cacher. Non, si elle continue à me cacher, mais je m'en fous. Je dors au salon, ma chambre. Je m'en fous. Non, ce n'est plus ma soeur, non. Non, elle a choix, elle a aussi. Elle a réussi. Elle voulait se faire voir. Elle va être blogueuse. Vous savez que Facebook, quand tu veux être blogueuse, il faut attaquer les gros poissons pour qu'on parle de toi, pour qu'on te connaisse et tout. Mon histoire a quand même captivé les gens, hein. Ça a captivé les gens. On a oublié qu'il y a un problème là-bas, que nous, on fonctionne, puis aller par vous. C'est ça qu'on appelle que le gueule. Oui. Il y a beaucoup d'histoires des réseaux sociaux. On a filmé la cuisine d'une blogueuse. On a filmé machin. J'accepte, j'accuse le coup. Merci à moi. Il n'y a pas de choix. C'est ma maison, donc j'ai le choix. Les gens qui effacent la Facebook. Quand moi-même, je vais bouffer les gens, ils ont dit c'est facile. Moi, je dois bouffer, non. Mais ma part de Djangui, c'est toujours un genre. C'est roi. Ça va pas que. Je vous mon Djangui. Non. Ma part, elle est. Elle dit que. Oui. Je ne m'en parle de Djangui. C'est un Djangui normal. Putain de bordel. Avec moi. Je te prends, attends. Maman. Hey. Allô? Oui, Minou, c'est moi. Minou. Oui. Attends, je voulais parler. Oui, attends. La femme là, elle a cru que en faisant cela, elle allait te fuck up. Tu as compris, hein? Mais elle a commis l'erreur parce que comme elle a saccagé là, la chambre, elle a renversé tout et tout ça. Elle a cru que en saccageant, les gens allaient dire que non, tu es sale. Non, elle aurait dû salir le parce que la chambre d'une femme, c'est son lit. Elle aurait dû tacher tes draps, salir, mettre la saleté. Elle n'a rien fait. Elle a jeté les perruques là-bas et tout ça. Et elle a prouvé au monde que tu peux encore pondre les enfants, que tu es encore une vraie femme. Comment se fait-il que tu vas dans la... Elle dit non, la maison qui a les asticots. Oh, elle aurait dû faire son sacage pour qu'on voit les asticots dans la chambre. Pourquoi on n'a pas vu les asticots dans la chambre? Elle est allée mettre ça là-bas, chercher, jusqu'à mettre le truc du mbongo dans la casserole et puis mettre de l'eau dedans avec les morceaux de papier, montrer aux gens que c'est ça. Elle ment. J'ai été chez toi, je prends le truc parce que j'ai été chez toi deux ou trois fois. La première fois, c'était avec mes enfants. Les deux autres fois, je suis venue toute seule. Et un matin, je suis venue, tu as même oublié qu'on avait rendez-vous. C'est moi qui t'ai surprise le matin. Voilà.
Et j'ai ouvert, tu as ouvert. J'ai dit que le pardon, ouvre la porte, je vais pisser sur moi sinon. Tu as ouvert la porte, je suis partie directement faire pipi. Je suis rentrée chez toi, je n'ai rien trouvé de dégueulasse ou quoi que ce soit. Oh, un de pas. Oh, trop. Non, je n'ai rien senti. Je suis restée chez toi, tu t'es réveillée là, tu m'as sonné. Si tu avais remarqué quelque chose, que mais il nous fait un peu quelque chose là. Hein? Comment tu peux héberger quelqu'un? Tu lui rends service pendant des mois. Elle passe l'été, l'hiver chez toi au chaud. Oui, elle attend que tu sois en vacances chez tes enfants pour te nuire comme ça là. Et elle a fait ça maladroitement. On sent qu'elle ne sait pas s'y prendre. Parce qu'elle avait la revanche. Toi-même, tu as eu beaucoup de chance. Elle aurait dû te mettre le moumou. Hein? Oui. Parce que là, je ne sais pas que j'ai eu la chance pour qu'elle promette, tu es pour mettre le poison. C'est vrai. C'est ce que j'ai dit de le moumou. Oui. Hein? Et maintenant, non seulement il va prendre la meule. La meule que nous, quand tu fais les lives, là, tu es en cuisine. Tu écrases souvent devant nous. Là, on voit le piment sur la meule. On voit les choses. Elle va être décalée la meule. Elle fait que, hey, regardez ça. C'est le travail qu'elle a fait pendant ton absence. C'est pendant ton absence. Elle s'est dit que non, tu ne seras pas là. Et malheureusement pour elle, quand tu es revenue à tout nettoyer, elle t'a montré que... Hein, et ça n'a même pas marché après, puisque tu as fini par la chasser. Puisque comme elle avait pour objectif de te prendre l'appartement, tu l'as chassé jusqu'à jeter ses affaires dehors. Et c'est ça qu'elle n'a pas aimé. Ça, elle n'aime pas. Comment tu peux héberger quelqu'un chez toi? La personne mange dans ta casserole, mange à table avec toi, mais filme tes choses pendant que tu n'es pas. Ça veut dire que la personne a de mauvaises intentions. Toutes les personnes qui vont l'héberger chez elle vont subir le même sort. Oui. Toutes les personnes chez qui elle va passer là doivent bien se préparer. Parce que ce qu'elle a fait chez toi, c'est petit. Ce qu'elle a fait chez toi là, c'est petit. Ce qu'elle fera à d'autres là. Ceux qui rigolent aujourd'hui, oh, moi, je suis venu chez toi 3 fois. Moi, je n'ai rien remarqué. Hein. J'allais pisser, je suis rentré en cuisine. Je me suis assis dans ton salon pendant 1 heure, 2, 3 heures. Je n'ai rien remarqué. Et j'étais même surprise le matin. Donc, c'est la raison pour laquelle je prends ostentativement la parole. Je te dis que ce qu'elle a voulu faire, elle s'est eue même. Nous, on sait maintenant que tu as encore une femme qui peut nous faire les bébés. C'est tout. Et que tes draps, j'ai vu les draps, les culottes de l'autre côté sur le séchoir qu'elle a fait tomber là-bas, qu'on a vu que c'est tout blanc. J'ai vu que c'est tout blanc. Une femme, sa maison là, quand tu rentres dans sa chambre, tu regardes ses sous-vêtements, tu regardes ses draps, et tes draps étaient nickel. Le reste, on a compris que non, tu as encore une femme qui peut pondre. Point! Elle a saccagé, ramasse tes trucs, tu accroches ça. Allez, et tout le monde est bordélique. Il y en a qui sont bordéliques. Le bordel, quand tu es propre, tu peux garder tes trucs par la langue, c'est pas grave. À partir du moment où tu t'en sors dans ton désordre et que tes choses sont propres, c'est ça qui est ça. Et on te soutient. Moi, je te soutiens jusqu'à même la fin du monde. C'est comme ça. Merci beaucoup. Avec plaisir, Mino. À bientôt. À bientôt, Mino. Ciao. Ciao, ciao. Donc voilà, c'était pour dire que bon. Comme ce qu'on est en état, je vous dis que je remercie tous les gens qui me soutiennent. Et sachez que oui, j'ai été un peu éprouvé. Ça m'a vraiment touché ce qu'elle a fait. Et je vous demande que continuez à accueillir les gens chez vous. Mais il faut faire attention. Et chez moi, tout le monde sait comment je suis. Mes choses sont sur le lit. Je ne dors pas là-bas. Ça ne peut pas arriver que je dors, mais je rentre ici. Ça peut arriver que je vais dormir dans ma chambre là-bas, ou celle-là. Mais moi, malgré tout ce que tu fais, Eva, je donne ça au bon Dieu. C'est tout. Ou on t'appelle ou pas. Oui. Comme tu voulais me toucher, ça, tu l'avais. Tu as gagné. Et alors, moi, je suis chez moi là. Tu connais ça, mais non? Je ne suis pas dehors. L'hiver arrive. Hein. Une chose. Voilà l'hiver qui arrive. Les gens qui te soutiennent là, je ne suis pas sûr qu'à les faire, ils vont t'accepter. Oui. Moi, au moins, j'ai trouvé ma porte. J'ai été aimé, je t'ai aidé. Toi et moi. Et sache que les travaux. En fait, lundi ou mardi, on gagne tout ça. Quand tu crois que quand tu prends, il y a la force. Et après,
Et après, il y a quoi? Il n'y a rien. Parce qu'après, ça descend. Tu trouves une place. Tu as faim, tu as soif. Tu n'as même pas l'argent. Tu n'as rien. Donc, les Belges, je n'ai plus personne chez moi. Je reste chez moi avec mes asticots, soi-disant, avec ma salade. Merci beaucoup. Je ne fais plus jamais confiance aux gens. Surtout aux Camerounaises. Hey, maman! Eva, quand tu prenais la caméra pour filmer, chez moi, ma chambre, tu pensais à quoi? À la vengeance? Tu as eu ta vengeance. Et maintenant, après, ça va continuer, que ça continue. Mais je m'en fous. C'est ma maison. Ma cuisine. C'est mon salon. C'est ma chambre. Les gens me connaissent. Je ne suis pas un agneau. Tu entends? J'ai été aidé. J'ai été aimé. Comme une sœur. Là, tu es Beelzebub, Satan. Quand tu es star, il faut bien s'attendre à ce genre de choses. Ah oui. Je donne ça au bon Dieu. C'est le bon Dieu qui va commencer avec toi. Et ce qui est marrant, c'est que maman, ce n'est pas encore 50 euros, je te donne. Que tu puisses payer, on peut pas manger. Hé! Hey! C'est ma faute. Et c'est mon bon cœur qui va me tuer. En tout cas, je n'ai pas mis d'accord à cause de l'histoire. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais éteindre ma caméra. Et puis, on se voit demain ou mardi. Parce que je me repose vraiment. Hé! Hey! Quand je pense. Eh, moi, Jack, parce que j'ai amené ton nom dans les réseaux sociaux. Toi, alors, les injures de ça, 2 ans chez quelqu'un, tu peux payer 200 euros. Rien. Tu veux la force chez moi. Bonne nuit. Bonne soirée. J'aime le plus. J'espère que tu as ce que tu voulais. Sache que je suis sur la matrice. 28, je ne sais pas. 25 rue de la Tuilerie, assuré. J'ai ma tour Eiffel. Parce qu'apparemment, tu as beaucoup à dire. Suis-moi. Vas-y. Parle-moi. Expose-moi. Oui. Ma cuisine. Chambre et continue. Tu vas avoir les meilleurs amis du monde. Tu auras tout ce que tu veux. Mais avant, s'il te plaît, quand va à l'hôpital, parce que tu as un rein qui est défectueux et un autre qui est déjà attaqué. Et n'oublie pas ton cancer que tu as là-dedans. La méchanceté ne sert à rien. Tu es méchante. Tu vas devenir quoi? Eva, seulement. Vraiment. Tu peux répéter. Sache que tu vas parler de moi. Je ne vois plus. Il y a des gens qui voulaient mourir, mais avant de mourir, pour salir les autres. Salir. Tu es qui? Tu es quoi? On va oublier. En tout cas, tout le monde a vu ma chambre, tout le monde a vu ma misérable cuisine avec la mamie que je veux bien réfléchir, comment elle l'a fait chez moi. Tout le monde a vu. Moi, j'accepte tout. Et maintenant, tu es satisfait? Tu es satisfait? Et tu penses qu'avec tout ça, avec les réseaux sociaux, je serai toujours là. Tu t'es mis dans un truc que tu ne connais même pas. Moi, j'irai toujours dans les restaurants, dans les soirées. Dans les gens qui m'aiment quand même. Même si j'ai un mauvais comportement, il y a certains gens qui m'aiment tel que je suis. Tu m'entends?
puisses me voir. Mes amis, que je chicote tout le monde. J'ai appris ma vraie leçon. Ma vraie leçon, j'ai appris. À demain, bonsoir. Merci à tous.